L'heure de la finale de Sacla-Chef a sonné. Épreuve du jour, la recette de Nicolas, le chef des apprentis gourmets. Au menu, loup farci accompagné d'artichauts, de figues et de noix, suivi d'un risotto parfumé à la truffe et sauce émulsionnée au cèpe. Ça donne envie, mais attention, ce menu est loin d'être simple. Gare au piège. Il vous reste 5 minutes. Il vous reste 3 minutes. Dernière minute. 3, 2, 1, terminé. La tuile est pas mal. Les candidats ont tout donné, pas simple pour le jury de les départager. En coulisses, on patiente et on analyse. Eh ben, ça passe très vite, donc on n'a pas le temps de stresser. C'est bien, ça fait du bien quand ça se termine quand même. Moi, j'avais jamais fait ce type de produit, mais au final, j'ai réussi à produire ce qui était demandé. Pour cette épreuve, j'étais assez satisfaite de ce que j'ai réussi. Je pense que je peux être dans les premiers. Pourquoi pas ? Je suis pas très satisfaite de ma tuile, je pense qu'elle est un petit peu trop grosse et pas très bien présentée. Globalement, c'est une belle présentation, je suis assez fier de ce que j'ai fait ce que j'ai pu, donc j'ai pas de regrets. Je suis déjà contente d'avoir pu sortir l'assiette entière, donc avec la présentation reproduite. C'était pas évident, mais c'était amusant à réaliser. Je pourrais pas vous dire que je suis content de ce que j'ai envoyé, mais en même temps, je pourrais pas vous dire que je suis mécontent parce que j'ai passé un excellent moment. Honnêtement, vous nous avez bluffé, toutes les présentations étaient plutôt pas mal, fidèles au plat original. Alors, première qualifiée avec 221 points, Valérie. Deuxième qualifiée, c'est Hélène. La sentence est tombée, une grande soirée clôture cette première journée. Ce matin, quand je me suis levée, ça allait très bien. Et là, maintenant que je suis arrivée ici, ça commence à... Enfin, la pression commence à monter. Là, je vais lever le torchon qui cache le panier surprise et j'espère qu'aujourd'hui, plus que jamais, j'aurai l'inspiration. Quoi qu'il arrive, je suis ravie d'être là et c'est vraiment une belle journée. Bienvenue à toutes les deux pour cette finale. Nous allons cuisiner en 1h30 le plat de votre choix. Après